embarquer. Vous avez reçu l'autorisation de quitter l'espace de Varnus. Vos réaffectations vous seront communiquées en chemin. Mis nos soldats en danger. Ils évacueront quand on leur en donnera l'ordre. Leur courage face à la tempête montre de la discipline. Mais Gleb, elle, a droit à une évacuation anticipée. Gleb supervise l'école de formation des futurs chefs impériaux. Elle crée des soldats efficaces et loyaux. Comme Iden. Ou moi. Et maintenant, elle nous demande un service. Les habitants de Varnus sont fidèles à l'Empire. Pourquoi devrions-nous les laisser souffrir? Tout ça, c'est pour le bien commun, commandant. Rien de tout ça ne me plaît. Varnus, c'était notre foyer, Ask. C'est l'Empire, notre foyer. L'opération Cendre est un test pour prouver que nous sommes dignes de faire partie de ce qu'il va devenir. Vous parlez comme mon père. Alors enfin, c'est pas trop tôt. Idène, version. C'est toi qui m'ira à l'envoi. Je savais que j'étais importante, mais de là à risquer la vie de sa fille. Cible récupérée, on y va, Gleb. Et en plus, elle me donne des ordres maintenant, c'est adorable. Reculez. Commandant. Il y a un vaisseau sur la plateforme 2. Vous y serez en sécurité, allez-y vite, courez. Qu'est-ce que vous faites? Stop. Nous devons nous en tenir aux ordres. Ça suffit. Tout va bien, on vous emmène loin d'ici, en route. Non, vous ne pouvez pas... Je suis votre commandant, je vous ordonne d'arrêter. Iden, nos ordres sont très clairs. On nous a demandé de récupérer la tutélaire Gleb et elle seule. Mais les choses ont changé. Regarde un peu autour de toi, enfin. Est-ce que c'est ça l'Empire qu'on a connu? Belle, je t'en prie, ne fais pas ça. Le rôle de l'Empire est de protéger les civils d'offensives telles que l'opération Cendre. Nous obéissons au nouvel Empire. Si c'est ça, le nouvel Empire, alors je refuse d'en faire partie. Je répondrai aux ordres de mon supérieur direct. Ce sont vos ordres? Est-ce que ce sont vos ordres? Parce que si c'est le cas, c'est une trahison! Est-ce que ce sont vos ordres? Oui. Et j'ai aussi les miens. Est-ce ton arme? Ton indiscipline causera ta perte. Amiral Versio. Le commandant Versio. Et l'agent Miko ont abandonné la mission, ils ont trahi l'Empire. Je suis désolé. Je vois. Ramenez-moi Gleb, ceci est votre mission. Je m'occuperai personnellement des deux traîtres. Il y a un passage souterrain de l'autre côté de la place. C'est notre porte de sortie. Je suis avec vous, commandant. Ne tirez pas. S'il nous repère, on est fichu. C'est trop dangereux. On doit se mettre à couvert. Ouvrez le feu! Oui, pirate-moi ça.
faut atteindre le corpus et quitter l'espace impérial. C'est notre seule chance. C'est bien toi qui en fait. J'abattrons le vaisseau en plein vol. Alors détruisons les canaux anti-aériens. Ça se présente très mal. Reprenez-vous, agent Micro. Sur le Corvus, il y a des civils qui comptent sur nous. On n'a plus accès aux fréquences impériales. Le Corvus ne saura même pas qu'on arrive. On trouvera un moyen. Pas que ça leur arrive. Nous avons été condamnés à mort. Si on ne se défend pas, on mourra. Oui, commandant. On peut neutraliser les systèmes anti-aériens droit devant. Je vous suis. Des vaisseaux qui s'enfuient. On n'est pas les seuls à vouloir se mettre en lieu sûr. Pirate ça. Ouais. Par ici. Faites pas de bruit, nous passerons inaperçus. Entendu. Attendez mon signal. J'ai besoin d'un piratage. Montre-moi les cibles potentielles. Analyse des menaces.
Impérial Marcheur. Les canons sont assez puissants pour traverser les turbos laser anti-aériens. Exactement. Et en détruisant les antennes divisées, nous désactiverons toutes les défenses AA du secteur. Faudra du temps.
fait attaquer. Tenez vos positions. Viens, commandant. Une autre unité approche. Mission accomplie, amiral. Toutes mes félicitations, commandant Ask. On n'est pas complètement seul. Une partie de l'équipage est restée avec nous. Elle a protégé les réfugiés contre ceux qui voulaient les tuer. Comment vont-ils ? Choqués. Perdus. Mais en vie. Ils s'inquiètent pour la suite. Il faut qu'on prévienne quelqu'un. Prévenir qui ? Les rebelles ? Non, ils nous jetteraient dans la prison du Zénith avant qu'on ait pu dire le moindre mot. C'est pour ça que vous devriez prendre le Corvus et vous en aller. Laissez-moi un chasseur TIE, j'enverrai un signal de détresse. Et j'attendrai que les rebelles me trouvent. Vous pensez vraiment que je vais vous laisser tout seul ici à dériver dans l'espace ? Tel. Nous sommes l'escouade Inferno. Vous et moi. Raider Impérial Corvus. J'envoie ce signal de détresse à l'Alliance Rebelle. Nous nous rendons.
Contactez le général immédiatement. Donc tu t'es dit que c'était un piège, mais tu les as quand même fait monter. Tu passes ton temps à me dire de prendre des risques. Ça m'a semblé être la chose la plus irresponsable à faire. Excellent. Bonjour. Je suis le général Lando Calrissian. Et j'imagine que vous devez être les déserteurs impériaux dont on m'a tant parlé. Général, nous avons déjà dit à vos hommes tout ce que nous savions. Allons faire un tour. Très bien. Qu'est-ce que c'est ? Une mauvaise idée. J'ai fait un pari. Shreve pense que vous êtes des espions impériaux. À votre avis ? Je crois que vous avez peur, et que vous êtes en fuite. Écoutez, vous nous avez renseigné sur l'opération Cendre. En échange, je vous offre deux chasseurs, rien que pour vous. Attendez, vous nous laissez partir ? Bien sûr, changez de vie, trouvez un endroit sûr. Un endroit où vous pouvez nous surveiller ? Nous avons d'autres préoccupations. On vient d'apprendre que l'opération Cendre va frapper Naboo. Vous devez l'arrêter. Je pense qu'on peut y arriver. C'est faux. L'Empire est en train de changer, et ses méthodes aussi. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas venir avec nous ? Aidez-nous à sauver Naboo. Nous ne sommes pas là pour rejoindre la rébellion. Personne ne vous le demande. C'est une chance unique. Vous pouvez partir maintenant, ou nous aider à arrêter ça. Vous nous laisseriez nous battre à vos côtés ? Que voulez-vous ? Je crois sincèrement aux secondes chances. Venez, je vais vous montrer vos vaisseaux. On ne sait même pas comment piloter un X-Wing. Rien de compliqué pour les forces spéciales. C'est quoi les options, Eden ? Alors, quelle est votre réponse ? À tous les chasseurs, commencez l'assaut ! Lando, vous ne pouviez pas mieux tomber. Ici la princesse Leia Organa. Information sur ma position. Lando, protège la princesse. On se charge des satellites Cendre. Je suis derrière vous. Oh, mais j'en doute pas. Seulement si l'un d'entre vous tente un truc, je la bats sur le champ. Vous pensez vraiment y arriver ? On ne m'appelle pas Leader Danger pour rien. Je détecte une signature thermique sous les satellites centraux. Ça doit être le noyau d'énergie thermique. Alors c'est là qu'il faut concentrer nos tirs. Wow ! Attention ! La voir ! Il y a une tourelle sur certains de ces satellites. Deuxième satellite HS. Ici Danger 5, satellite abattu. Il nous en reste plein d'autres. Allez, en avant ! On détruira les autres satellites, plus vite Tick sera en sécurité. Entendu, princesse. Danger 5, Danger 6, n'oubliez pas que vous visez des chasseurs TIE maintenant. Bien sûr. Merci de nous le rappeler. Sur votre position, Leader Danger. Ouais, on est avec vous, Shreve. Très bien. On va rappeler à l'Empire à qui il a affaire. Vous savez quoi faire.
Encore un satellite de moins. Éloignez-vous de ce destroyer. Ces canons traversent nos boucliers. Le plus judicieux serait de commencer par détruire les systèmes de défense. Bien sûr. Et un autre pour la casse. Joli tir, Versio. Bien su, chef d'escouade. Satellite HS. Tout va bien dans le secteur. Il faut le reconnaître, les nouveaux pilotes se débrouillent bien. Vous pensez rester un peu? On est ici pour stopper Sandre, ensuite on s'en va. Chasseurs TIE en approche. Détruisons-les. Thank you.
J'y retourne pour le second. Vous pouvez attaquer. Tous les autres, repliez-vous. Ça sent pas bon. Je suis le seul à voir ce destroyer stellaire brûler. Le protocole impérial est de se mettre à l'abri dans un endroit sûr. Ces vaisseaux se dirigent droit sur Tid. Ils vont s'en prendre à la ville. Il ne sera que quatre. Quelqu'un sait y faire avec les machines? Oui, moi. Suivez-moi. Tid a un système de défense. Ce système nous permettrait d'arrêter l'Empire. Mais la tempête a endommagé les relais d'alimentation de la ville. Nous devons les réparer pour pouvoir l'activer. On va se séparer, puis réparer les relais. Quand on aura fini, on se retrouvera au palais. Compris. Ouais. Compris. Qu'est-ce que nous activons? Quelque chose qui arrêtera l'Empire. Quel est votre nom, soldat? Del Micro. Tel, des renforts impériaux convergent vers ce secteur. On peut les arrêter, mais il faut que vous réactiviez ces relais. À vos ordres.